parle-nous un petit peu de tes objectifs avant qu'on poule et tout, Tidalis. Alors, l'idéal, ce serait de tabler sur une Raiden Shogun C0 avec l'arme signature. D'accord. Et si tout se passe bien, on va aller sur optimal C2, maximum C3. J'irai pas au-delà. D'accord. Ok. Parce que t'as d'autres persos en vue, c'est ça? J'ai que Albedo, en fait. Y a pas d'autres persos d'Inazuma qui m'intéressent. Aucun. Ok. Ça marche. Attends, tu commences à combien de pitis, c'est pas... T'as quand même Regarde historique. Alors, c'est 3, pas bon, 4, 5... Ok. 4 x 6, 24, 25 de pitis depuis eux, là. C'est parti. Ah. Voilà. Ça commence. C'est bon. C'est bon. Ok. Beidou. Mm-hmm. Or focus. Tu l'as déjà C6? Oui, oui. Ok. Ok. Est-ce que tu vises Kujusara ou pas du tout? Ouais. Ok. Deuxième multi. Alors peut-être! Oula! Ça fait 45 là! Shang-Yi. Ouais, ouh. 45. 46 de pitch. Alors peut-être. Allez. Allez. Allez, 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 allez. Let's go! Yes, on est là! On est là! Let's go! Trop bien! Mais non, on l'a eu très tôt, donc c'est parfait. Let's go! C'est super! Oh, des GG pour lui, s'il vous plaît! C'est trop bien! 46 de pitié, belle balle. Il était à 25 initialement, du coup, on a fait que 2 multi, c'est magnifique. On passe à la bannière d'armes du coup. Let's go. Oh non, je suis trop contente pour toi. Let's go, c'est trop bien. Oh hop. Déjà soulagé. Alors. Ouais, bon, du coup là, c'est littéralement à zéro. Allez, on va commencer la bannière d'armes. T'imagines, t'aurais eu direct la lumière jaune. Bon alors. Alors là, ça aurait été masterclass. Ah, j'avoue là, faut pas trop tirer sur la corde. Hein. Ouais. Non, déjà c'est cool. C'est trop bien. Shinshu. Refait. Tu l'as déjà C6, je pense. Oui, oui. Ah, moi, je le veux trop C6. Hein. Ok, parfait. Il a sélectionné son arme. Oui, oui, il a sélectionné son arme. La course, elle est faite. Hein. Tout est fait. Oh, j'ai tout préparé pour pas que t'aies à faire grand-chose. Mais bon, les pour artefacts, pas que je fasse de bêtises. J'avoue que les artefacts, je m'attendais pas à ça, par contre. Hein. Alors, peut-être. Let's go. Allez, 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 mon grand. Allez, 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 one shot. Allez, 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 on dé de ça ce soir, on dé de ça. Allez. Allez, allez, allez. Allez, allez, allez. T'es sûr que tu la veux que C3? T'es sûr? Je crois qu'elle veut venir C6. Hein. Je suis pas sûr, mais je crois qu'elle veut venir C6. Tu l'as eu avec 2 multi, je crois, ou 3. C'est incroyable. C'est incroyable. Oh, mais j'y crois pas. T'es sûr que tu la veux pas C6 du coup? Ah non, je l'ai pas jusqu'à. T'as vu ton nombre de poules là qui triste? Tu l'as déjà C0 avec son arme. Ouais, mais bon, c'est pas. T'es à 400. C'est fou, hein? Ouais, mais faut être rationnel quand même dans la vie. Comme je t'ai dit, je connais vraiment le système économique des gachas. Oui, 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 t'inquiète, et faut t'inquiète, pas t'inquiète. Trop abuser, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Non, mais t'as raison. On va rester raisonnable. Il y a la prédit pour ceux qui pensent qu'il va l'avoir ces deux. Déjà là, vu le nombre de. Voilà. C'est ouf, c'est énorme. Ouais, il a eu à 46 de pitch, sachant qu'il a fait que 2 multi. Il avait 25 pitch initialement. Et après, sur la bannière d'âme, il a eu en 2-3 multi. Donc c'est incroyable. Bon, bah, on peut enchaîner, hein. On enchaîne. On enchaîne. C'est parti. Oh, non, j'ai cru, oh, je te jure, j'ai cru. Calme-toi. Ah, c'est bon, là, je suis réveillée. Hein. J'y ai cru, hein, je te jure, j'y ai cru. Mais c'est marrant parce que des fois, t'as l'impression que la lumière devient jaune, mais non. Ouais, tu sais, c'est ce petit faux espoir qui fait ouais. Qui fait vivre. Parce qu'en fait, dans deux autres gachas auxquels je joue, t'as les mêmes couleurs, mais sauf que, tu sais, par exemple, tout est violet, t'as 10 panneaux violets. Et d'un coup, t'en as un qui peut exploser en doré. Mais ça, c'est l'ascenseur émotionnel. Ah bah ouais, c'est l'ascenseur émotionnel. Du coup, là, on remonte à 20 de pitié. Ouais. Ah, Shangling, elle t'aime bien. Moi aussi, elle me kiffe. Il est déjà eu... Oh, Kujusara. Ah bah, Kujusara, là. Let's go.
Mais je t'apprends une question. Ouais, de fou, je pensais trop qu'il allait avoir une C1 là direct. Ça aurait été tellement bien. Ah non, mais là, j'en reviens toujours pas de ce qui vient d'arriver encore. Là. C'est je trop viens, bien. J'ai du mal. C'est trop bien. Hop là. On enchaîne. Fan de pitié. Sucrose. Il a braqué la bannière d'armes. Clairement, surtout la bannière d'armes est tapée la bannière de la malchance, de la bad luck. Aucun free to play pool là-bas généralement, à part ceux qui économisent. Et c'est pour ça que c'est insane ce qui vient de se passer, c'est qu'il a... Il a braqué, ouais. Il a braqué. C'est fou. C'est fou, mais c'est beau. Ok. Ok, on passe à... 40 de pitié. Ok. Coup de Josara de retour. Tu la sais, hein, du coup. Ouais. Bon, je prends. Tu prends. Tu l'avais vu, Bah, en fait, de base, je déteste jouer à Archer, étant donné que je joue à la manette. Encore, c'est pire. C'est deux. Okay, On crache pas dessus. Ouais, je comprends, c'est vrai, les archers. Mais moi, j'ai du mal et je suis PC. Hein. Non, non, je. Il y a, par contre, un bon collègue à moi, là, Xin, Monsieur K, il aime beaucoup jouer à distance et des fois, je sais pas comment. Bon, après, moi, c'est jusqu'à la manette, c'est juste infâme de viser. Bah oui, tu m'étonnes. Et après, lui, il aime bien jouer à distance et tout, quoi. Ok. T'es monté à 52 bits, là, avec cette multi. Ouais, non, c'est bon, c'est juste que j'ai ma dose de chance. Maintenant, le jeu, il est parti pour m'en mettre une, quoi. Ouais, mais dis-toi, j'en connais un, il a eu une balle toutes les 30 ans. Toutes les 32, hein. Faut être un peu chanceux, c'est vrai. On y va. Donc là, tu passes à 60. Putain, à chaque fois, j'y crois, mais la lumière, elle devient rose. Ok. Allez. Coup de Jussara, c'est 3. Je prends. Il y a moyen que tu laisses 6, hein. Hop là. Ah bah, ouais, y a moyen. Une petite archer C6 que tu pourras utiliser que le E et l'ulti. Au secours. Ouais. Au secours, ouais. Mm-hmm. 70 de pitié. Ça pique là. Je crois que c'est le revers là. C'est le revers de la médaille. Ah ouais, là je prends le backlash là. Et puis horloge, le retour. Ok. Ok. Bon, et qu'une épée horloge là. Next. Là, on fait invoque par invoque vu qu'on est à 70 ou tu préfères claquer la multi? Là on a 70, vas-y fais des singles, on va voir. Du bleu. Ah, et n'oublie pas d'acheter, si tu pouvais, par un tour avec les astrions, acheter les orbes. Parce que maintenant que je viens d'y penser. Les quoi? On est début. Tu sais, les astrions là, les orbes. Oui. J'ai oublié de les acheter. Ah, bah oui, t'as raison. Hop, tu prends celle perma aussi? Ouais, je prends tout. Vas-y. Prends que ça de toute façon. Allez, hop, on prend. Et on reprend nos petits poulains. Ok, 72 de pitié. 73. Ah, j'espère que tu vas pas être comme Minali à 81. Ouais, non, ma soeur, c'est abusé ce qu'elle a pris. C'est abusé, elle s'est pris une hard là, c'était chaud. J'allais rentrer dans ma chambre, elle était déprimée. Alors peut-être. Allez. Une C1 là. Masterclass, papa. On est là, let's go, la C1 est arrivée, let's go, parfait. En plus, 250 consécutifs, je dis oui. Eh oui, on continue ou pas? Allez, vas-y. Allez, on repart en multi. Ok, Shangling le retour. Dernière corde. Ok. Sucrose. Shangling le retour encore une fois. Ah, tu l'as eu 6 fois déjà, je crois. Je suis mort. Oh, finesse. Ok, parfait. Hop là.
Foundation, Van Pitch. Ok. Là, je crois que je dois avoir un rythme cardiaque de au moins 268 là. Ah ouais? Alors que je fais même pas du sport. Oh non, terrible. Ouais. C'est comme si t'as limite c'est les masques qui simulent l'altitude et tout. Non, c'est comme si j'étais en train de faire du cardio en fait. Fléau du dragon, je connais même pas cette arme. Je connaissais pas cette arme, j'avais même pas qu'elle existait. Oh putain, moi je l'ai R5, c'est bidule hein, quand même. Celle-là? Ah, je l'ai jamais eu de ma vie. Oh, ouais, moi c'est l'autre que je cherche, la Lytic Spear là. Ok. Ok, on remonte à 30. C'est pour que je suis angling cette arme, d'accord, merci Mia. Mais bah non, okay. plus maintenant que... Ouais, avec la lance de la pêche. Ah, c'est vraiment le meilleur perso pour l'utiliser. Okay. Je vois personne d'autre pour l'utiliser actuellement cette lance. Ok. Parfait. Donc là, on va passer à 40 je crois. Ok. De toute façon, on aura les Astéries hein, aussi, hein, pour se rattraper. JBR 55 qui découvre encore des armes. Mais moi, je te jure, hein, j'ai des armes quand tu les pulls jamais, forcément. Kojusara, ouais, c'est ça, 4. Il y a plein d'armes que j'ai pas vues. Hein. Genre, la Sacrificial Sword, l'épée rituelle en français, je crois que ça s'appelle. Ok. Je l'ai pas vue à l'AR 56. Je n'ai jamais vu cette arme. Genre, c'est une arme que j'ai eu très très tard, donc c'est normal. Il y a vraiment des armes qui nous apparaissent jamais. Il y a des armes, c'est vrai que vous avez pas de luck, vous les avez jamais. Hein. Ouais, c'est ça. Ok. Ok, donc t'as Kujusara C4 et Balsien, pour l'instant avec son arme. Bon, déjà, juste l'arme et le perso, c'est déjà une grosse victoire pour moi. Bah oui, clairement. Là, tout ce que je fais, c'est juste du luxe et pour le beau jeu aussi. C'est du bonus. j'ai pas invoqué pendant 17 semaines, faut bien célébrer quoi. Ah bah oui. Ok. Allez, peut-être une autre Sarah, ce serait pas mal. Allez, allez, allez. D'ailleurs, j'ai vu que t'as lancé le combo de Yula en Abyss. Ah, ça commence à rentrer. Oui, je commence à avoir le truc. Ok, Sucrose de retour. Je crois que là, on remonte à 50-60 de pitié. Ok. Allez, balle C2. Il y a tous ceux qui ont voté oui pour balle C2, là. Ça va se jouer à de peu, là. Ok. Sucrose qui t'aime beaucoup aussi. Sucrose qui te kiffe, en fait. C'est l'amour. Ouais, je l'ai C6 depuis la bannière de Xiao, c'est-à-dire 1.3, juste pour dire. Ah oui, ah oui, quand même. Ouais, je suis à la sortie du jeu, donc ouais, je suis passé par tous les portails. Alors peut-être. Alors peut-être. Allez, là, C2. Allez, s'il te plaît. Allez. Allez. Oh non, un 50-50 de perdu. Et c'est le 50-50 de perdu, c'est dommage. Oh non, c'était tellement beau. Non. Oh non. Oh, trop bien. Ah ouais, mais c'était tellement beau. Ouais, on était sur une bonne série, mais bon, on était sur une série où il a clash la bannière d'armes, c'était tellement beau. Bah alors on enchaîne. Je ne suis ni intéressé en Ganyu, en Utao, en Kree, en n'importe qui en fait, que je n'ai pas. Les personnes que je n'ai pas, c'est des personnes que je veux pas en fait. Ok. 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 Kujusara, c'est 5. Je pense que tu l'auras C6. Ok, parfait. On a une chaîne. Ok. Est-ce qu'il y aura une coup de joueur à C6 ici? Peut-être. Ok. Razor. Hors focus, au calme. Qui vient s'incruster dans la bannière. Razor, mon gars sûr, c'est le perso avec qui j'ai commencé le jeu et avec lequel j'ai joué jusqu'à
Ah ouais? Ouais, jusqu'au RR50. Ah, en fait, quand mon même. premier 5 étoiles. Mon premier 5 étoiles, c'était une arme, c'était Mort du Loup, justement. Et j'ai joué Race d'Or avec Mort du Loup jusqu'au niveau 50. D'ailleurs, petite dédie à Lina, hein, qui adore Race d'Or aussi. Oui, je sais, c'est officiel. Ah, super. Let's go. Moi, je kiffe. C'est parfait. En vrai, avec le nombre d'invoques que t'avais, je pense que c'était presque assuré. C'est 7, elle t'aime beaucoup. Ouais. Le retour. Bon, là, on va commencer à accumuler des astéries en masse, là. Ouais. Un petit stock d'astéries, si une arme te plaît, dans la boutique. Ah, sucrose le retour, bien sûr. Ok. Est-ce qu'il y a qu'une sucrose? Je pense que oui. Ah non. Épée de Favonius. Oh. Ok. Ok. Moi je la joue sur Bennett en plus. Moi je la joue sur bah, le voyageur. Le voyageur, ok. Ok. Ouais. Allez. De toute façon on a encore je crois 50 non, mais là je pense que t'es sûr d'avoir la C2 en vrai. Tu vas t'arrêter sur la C2, je pense. Je suis presque sûr que t'as la C2. À part si vraiment tu montes en hard pity. Hein. Attends. Oh, finesse. Bon, quoique Rezel a fait pire. Donc... Rezel, il a fait pire, il a fait un braquage. Il a C6. Hein. Non, mais lui, il est arrivé dans les locaux, il est venu avec un fusil à pompe, il a fait la bourse de la vie. Voilà. J'ai été unlucky toute ma vie, vous me l'a donné C6, sinon c'est terminé. Mais c'est ça. Après, c'est vrai que lui, il a ça va être de malchance. Il a eu énormément de malchance, donc c'était. Ça faisait tellement. Il fallait que ça arrive. Ok. Par contre, j'ai perdu le compte. Bouche et on a plus compris. Bah ouais. Alors peut-être. Ah bah là voilà. Ah bah balle. Ça va. Voilà. Ok. Une petite fluorescence. Et une balle. C2 officielle. C'est bon. C2 avec sa belle arme violette. C'est magnifique. Bah en plus, tu vas avoir l'honneur de la maxer 90 et l'arme 90 aussi. Ok. Du coup, est-ce que tu vas viser la C3 ou pas? Ouais, go. Voilà. Alors peut-être. Arrêtez la prédiction. Attendez. Mais non. Ah non, tu t'es fait monnaie. Ah bah il a perdu 155 quand il s'est fait monnaie. Mais du coup, tu vas l'avoir tôt, ta C3. T'es sûr de l'avoir tôt? Mais non, mais c'est incroyable ce qui se passe. C'est vraiment... C'est Gucci d'avoir eu monnaie en vrai, c'est un bonus. Tu l'as eu à 10 de pity, même pas. Après, je sais pas si elle t'intéresse. Bah je l'ai C3 du coup. Ah, du coup, tu l'as C3, bah du coup, t'auras Mona C3 et Balls. Par contre, j'y ai cru. Oh là là, dommage. Vas-y, c'est pas grave, go là. Ça va motiver. Oh non, incroyable. Oh, c'est. On enchaîne. Pause plaisir. Ah, bah là, c'est mon collègue qui est content. Parce que lui, c'est vraiment un fan d'Anemo. Et la maîtrise élémentaire, il aime ça. Ah bah. Pour voir des suppos, il est content. Ah ça, ouais, moi j'avais 6, pour l'instant, il vient pas. Hein. La stat maîtrise élémentaire, c'est son identité même. Ah bon. Écoute, Sarah, c'est 8. Hop là, tu fais le plein d'astéries. Ah bah parti. Là, on prend l'astérie, attends, c'est quoi, c'est 5 le rôle? Ouais, c'est 5. Du coup, là, t'es à 200. Ouais, ça peut me quitter, ça. Sucrose qui t'aime et qui te chérit. Elle arrête pas de venir, ça me bute. Chaque multi, t'as une sucrose minimum. Ah non mais je dois avoir C98 là, ça me va. Ah finesse, avec l'arc de Favonius. On enchaîne. On est à 30 depuis Mona. Ouais là c'est bon là, le back to back il a fait. Le back to back il a fait plaisir là, c'est YOLO. Genre YOLO. Ah ouais. Mais en vrai la Mona elle était. Enfin, vu qu'elle est arrivée juste après, c'est cadeau limite, c'était un petit 5 étoiles en fait, je me dis. Et puis t'es direct en 100%. On en parlait un peu aussi avec mon collègue Xin,
de Mona ouais. est vraiment le perso. Alors, le... C'était... Attends, oh. désolé de te couper. Mais c'est bon, t'as ta balle, c'est bon, c'est bon. C'est bon. À 40-51, c'est trop bien. Pardon de te couper, tu vas continuer juste après, c'est... mais c'est bon, tu l'as sauvé ouais. ta balle. Oh non, terrible, c'est trop bien. C'est bon, oh, on est chez ouais. rempli. Oh punaise, c'est incroyable. Il reste combien de vœux qu'on voit à peu près 151 plus les Star Glitter, les Astéries du coup. Ah c'est beau hein. Du coup tu l'as C3 avec son arme. Voyons voir ses personnages. Bah du coup on va mettre tes constés hein, ta petite balle et te mettre son arme aussi. Oh le plaisir, ça fait trop... Oh là 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 là. Oh là 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 là. Nickel. Et dites-vous qu'il a fait un braquage de la bannière d'art hein, c'est fou. Tu l'as eu en 20 pity. Et oui, en plus le pire c'est que j'étais à 0. J'étais à 0. C'est incroyable, il était à 0. J'en reviens pas. Oh non mais c'est beau, c'est magnifique ce que t'as fait. Ah du coup Xiangling, tu l'avais pas C6. Ok, écoute, je joue Sarah C6 bien évidemment. Bon là maintenant c'est bon, j'ai ce que je veux. Et plus tard, je pense que dans l'avenir, je voudrais vraiment. Comme je te l'avais dit plus tôt, Xiao C6, c'est vraiment mon objectif principal. Sur ce ouais, jeu. Tu m'as dit. Il veut que Xiao vraiment... C6 et tu l'as actuellement. C1. C1, voilà. Bah, je me suis fait entuber, j'ai dû faire. J'ai fait deux fois. J'ai perdu deux des 100%. Voilà. Les deux seuls. En gros, si j'avais pas perdu, j'avais C3. Oui, oui, les gens ont remarqué, il y a des moras chez moi. Oui, il y a des moras. Et du coup, t'as Mona C3 et Keqing C1. Voilà. Kaya, tu as des constés ou pas chez lui? Parce que je sais que beaucoup de gens visent ces constellations. Ah oui. Et je l'ai bien monté. Mais non, t'as un Kaya C6. Ouais. Mais c'est trop bien. C'est le premier que je croise qui a un Kaya C6. C'est magique. Et alors, du coup, c'est quoi ton record de dégâts avec lui? Comment tu l'as monté? Alors moi j'ai monté full burst, en gros les stalactites quand elles tournent ça en coup critique ça met à peu près du 12 000 par okay. tick en un demi-seconde, okay. du coup c'est très honorable. D'accord. Ouais, et du coup ouais, il y a Noël aussi que j'aime beaucoup, j'aime beaucoup les persos de l'actif en fait, je montre vraiment des persos que j'aime beaucoup visuellement, de leurs trucs et tout. Donc, Noël c'est vraiment bien. Un des persos, même Noël c'est vraiment un perso que j'adore jouer. Et je vais monter à fond aussi. Du coup, pour résumer, avec sa balle, il a eu Xiao, du coup, qui voulait à tout prix et qui vit C6. C'est le seul 5 étoiles qui vit C6. Il a Tonton Fongli, il a Jin, Venti, et là, C2, le Voyageur, bien évidemment, Diluc, bien sûr, Tarta, qui ne joue plus, mais qui l'a C2, Chichi, Keqing C1, Mona C3. Et pourtant, mon collègue, il a vraiment essayé de me faire jouer le perso, mais plus je jouais, plus il me saoulait. Oui, mais te force pas, de toute façon, on a tous des persos un peu plus favoris que d'autres, c'est normal. Ah mais c'est trop bien, je suis trop contente pour toi. Profite bien de ta balle, amuse-toi bien.